of a woman. Thank you for the gold medal match. She's the World Field Championship, Elena Fabro from Italia. On target one. On target two. Competing since 1997 and going from gold from Sweden, it's Lina Brogren. World Championship in 2010 in this dress, Hungary. Där ja! Där Jeli! Jeli! Con calma, senza fretta e la spalla. Dai Jeli, tranquilla, dai! Dai, han sexa! Usa la spalla, Lili. Two points for the second arrow of Eleonora Stroger. 6 points for. So there, yeah! There, yeah! Well, ladies and gentlemen, 15 points for. Sweden, waiting for the confirmation of the judge, but it seems like 15-4. Brockton, 8 points for Eleonora Stroger. Used to win a lot of gold medal. She won at the last World Championship in Vidgard. She won also the 2009 World Games Field Archery in Kaohsiung in Taipei. The team for Sweden. 9 points for Italy. Three targets for the gold medal match. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, 23e championnat du monde, ici à Val-d'Isère, sur la piste mythique de Bellevarde, sur la face de Bellevarde. Se déroule actuellement les finales. Les arcs nus. Féminines. C'est ce qui s'est fait de mieux sur ce championnat du monde. Italienne habituée à truster les podiums. Elle a remporté les derniers championnats du monde en Hongrie. Et la Suédoise est parfaitement rentrée dans ce match. On commence encore une fois cette équipe avec un 5. Superbe tir. Suédoise, 4 et 3 pour l'italienne. À l'instant, la Suédoise est parfaitement entrée dans son match. Oh,
Potenka, et puis l'italienne qui a réalisé un 6 sur un 5 sur sa dernière flèche. A confirmé bien sûr. Il y aurait 6 points d'avance à l'issue de cette deuxième cible. Nous jouons la médaille d'or sur ce championnat du monde. We would like to thank the official sponsor of the World Archery Field Championship of this year 2012. Kia Motor from Korea. Together we have the power to supply. Sport Auto, the Turkish Sport Auto has one aim. That is for Pro. Turkish Airlines, the official airlines of the World Archery. T4, our official provider of accreditation, the result system, TV graphics. And website. Allez, retour sur la compétition. Troisième cible pour aller chercher la médaille d'or. Troisième cible pour aller toucher le Graal. Les scores sont confirmés. La Suédoise a pris un certain avantage, 28-21. 28 pour Sweden, 21 pour Italia. Yep. Six arrows for the gold medal match. Concentrati con calma, calma, la spalla. Daia! Beh, Daiele, brava, vedi, concentrati con la spalla e calma. La spalla e calma, ok? La spalla e calma. Dai, che 35, 31. Aspetta, rallenta. Rallentati, mi raccomando. Rallenta, la spalla giù, concentrati, brava Ele, brava, brava, con calma, respira, respira, c'hai 2 minuti, 113 e 117 pulsazioni minute, formation che l'on ha grazie a un petit capteur che l'on ha mis sur son volet, mi permet di savoir sa, dai Ele, son ritmo cardiaco, calma, e la spalla, dai. Brava Ele. Brava Ele. 3 points pour leurs deux dernières flèches sur cette troisième cible. 38-34, 4 points de différence à confirmer. Come on, ladies and gentlemen. Still have one target for the gold medal match. Against Eleonora Strömer from Italia, Elina Brunklund from Sweden. Championnat du monde exceptionnel organisé à Val-d'Isère sur cette piste mythique de Belvarde. Une organisation sans faille, une équipe de terrain, de bénévoles qui ont œuvré pour donner le maximum pour que les athlètes soient dans des conditions optimales. Beaucoup d'entre eux nous ont félicité hier. C'était à l'échauffement hier et tous les athlètes qui sont passés ont dit que c'était un parcours et des parcours magnifiques. Un accueil exceptionnel dans la station de Val-d'Isère. Ça fait plaisir. Merci à la Fédération Française de tir à l'arc. Le club des sports de Val-d'Isère pour l'organisateur de cette belle manifestation. Allez, retour à la compétition. 3 flèches pour faire la différence. 3 flèches pour aller chercher la médaille d'or. C'est maintenant. Les archers ont besoin de votre soutien.
points d'écart. 4 points lead. 38-34. 38 for Sweden. 34 for Italia. Je l'ai dit tout à l'heure, l'italienne Eleonora Spolope a remporté la médaille d'or aux Jeux mondiaux à Kaohsiung en 2009. Elle a ensuite remporté la médaille d'or au dernier championnat du monde en Hongrie à Wiesbaden. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans l'arc nu. Et aujourd'hui, elle est menée de 4 points. Il leur reste 3 flèches pour faire la différence sur la cible la plus longue du parcours pour ces archers, qui est à 50 mètres. Suédoise qui affiche une grande détermination sur cette finale. Tout de suite mis la pression sur l'italienne. Trois points pour Eleonora Strobe, 4 points pour la Suédoise qui prend encore un point d'avance. 42 à 37 pour les Q, 37. Ça va se jouer à peu de choses. Belle flèche décochée par l'italienne qui fait un 4. La Suédoise, quant à elle, reste dans ce match avec un 5 qui lui permet encore de récupérer un point complémentaire. Très compliqué si la Suédoise arrive à rester dans une zone de réussite. Au 3, elle sera championne du monde. C'est maintenant. Pour l'italienne, 3 pour la Suédoise, gold medal for Sweden, Lina Björklund. Lina Björklund, gold medal in this 23rd World Field Championship in Val d'Isère. Big applause for Eleonora Strobe, silver medal. Double women's individual gold medal match, Lina Björklund from Sweden. Match exceptionnel de la Suédoise qui a été très très fort dans ce match, qui a amené une intensité.